Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon Go, donc une petite vidéo spéciale évolution de la 2G. Donc on va commencer tout de suite par une fouinette en Fouinard. Non, je déconne, on va faire le Vénard. On va le faire le Vénard, ça y est, j'ai enfin mes 50 bonbons. Et là, on va se faire un tueur. Un tueur d'arène. Donc je vais laisser l'autre en copain, hein, parce que je vais avoir besoin de bonbons pour monter celui-là. C'est une merveille, mais bon. Et voilà, nouvelle inscription dans le Pokédex. Enfin, on a notre l'euphorie. Donc il est à 1819, donc il va falloir le booster. Hein. Et ce qui est important, c'est les 311 PV. Ça, c'est pas mal. Voilà, le petit l'euphorie, enfin. Allez, on va se faire une petite évolution de Coxy en Coxyclac. Je vais vous faire quelques évolutions dans cette vidéo. Même si c'est les Pokémon qu'on a déjà, un Coxyclac, c'est un Pokémon que j'ai déjà. Et voilà, un petit Coxyclac. Ah ouais, c'est une petite évolution de Fouinette en Fouinard. Bon, vous voyez, je peux en faire plein. Hein, donc, je pense que c'est pour tout le monde le cas. Hein, Fouinette, c'est le ratata de la 2G. On en trouve partout. Évolution super sympa, par contre. Et voilà, un petit Fouinard qui va vite partir à la poubelle, je pense. 1956, tunnel, ouais, on verra. Allez, on va se faire une petite évolution de Hoot Hoot. Alors là, pour le coup, on n'a pas son évolution, donc ça va être une inscription dans le Pokédex. Hein. Alors, ce serait bien qu'on ait l'image quand même. Allez, le Norfang. Voilà. Qu'on rencontre quand on est dans la campagne, hein, les collections, c'est pas toujours génial. Voilà le Noirfang, donc avec Cruel et Piqué. Allez, on va se faire une évolution de Loupio. On en a trouvé plein. C'était abusé. Super sympa cette évolution. Hein. Bon, je pense qu'on n'aura pas l'image non plus. Il va falloir qu'on patiente. Ouais. Allez, ça charge. On va attendre. Un Lanturne, donc. Ouais. Rayon chargé et tonnerre. Le petit Lanturne. Et on va évoluer le Marill. J'ai toujours pas son évolution. Qui est donc Azumarill, que je trouve très chouette. On l'a vu hier avec... vous l'avez pas vu, mais on a vu... Dengar l'a évolué déjà. Je trouve super marrant, on dirait un Kinder Surprise bleu. C'est très loin chargé les images. Azumarine, 1228 PC, écume et hydrocanon. Hydrocanon qui est passé de 110 points à 130. Et voilà le petit Azumarine. Excellent, moi je trouve génial. Alors on va évoluer un Mimigal en Migalos. On a déjà. C'est sympa d'avoir quelques évolutions dans cette vidéo. Et voilà, le Migalos. Qui est assez stylé aussi. Hein. Darvenin et Poison-Croix. Ok, on va évoluer Porygon 2. Porygon en Porygon 2
parce que j'ai trouvé l'objet ce matin dans cette vidéo hein, sur le bonus des 7 jours où on a énormément d'objets. J'ai lu sur les groupes Facebook oh, Porygon 2, trop marrant. Il s'inscrit au Pokédex. Donc au lieu d'être carré, il est tout rond. Ouais, que beaucoup de gens ont. Ah, il a lance-soleil, ça c'est sympa. Beaucoup de gens ont récupéré des objets, des pierres, lorsqu'ils ont eu le bonus de 7 jours. Donc j'espère que vous avez eu la même chance que moi. Donc voilà le petit Porygon 2. Excellent. Ok, désolé, on va se faire une évolution de tournegrin. Parce qu'on a l'objet à récupérer. C'est parti. Bon, un Pokémon qui part de 191 PC, je sais pas ce que ça peut donner au final. À mon avis, pas grand chose quand même. Inscription au Pokédex, évidemment. Eliatron. Ah, Trancherbe et Lance-Soleil. Ah, ça passe à 1407. Ah, il y a une sacrée évolution, effectivement, là. Avec Trancherbe et Lance-Soleil. Lance-Soleil qui a pris aussi, au lieu de 130, maintenant, il tape à 180. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, ce petit Eliatron. Cool. Ok, on vient de récupérer le dernier Teddy Ursa qui nous manquait pour faire une évolution. Donc on l'a fait tout de suite. C'est parti. Encore une évolution bien sympa. Bon, finalement, il va falloir qu'on charge l'image. Inscription au Pokédex, on enchaîne. Ouais, il est bien balèze ce Urzaring. Je sais pas comment on dit. Donc il passe à 1759 PC quand même. Je sais pas si vous avez vu, on est parti de 700. C'est un Pokémon qui n'ira pas très loin, mais bon, je ne trouve que ça en télire ça. Donc pour vous faire l'évolution, je me suis dit qu'on allait prendre celui-là. Par contre, il fait bien peur. Allez, on va se faire une autre petite évolution bah, que j'avais oublié en fait. C'est le Nosferalto en Nostanfer. Bon, des bonbons Nosferati, j'en avais des centaines et des centaines. Et en fait, quand il a fallu évoluer Nosferalto en Nostanfer, eh ben, j'en avais plus assez. Donc j'étais un peu à la chasse au Nosferati ces deux derniers jours. Ce qui est un peu ridicule. Alors qu'on savait qu'il arrivait le Nostanfer. Et voilà, nouvelle inscription au Pokédex. Lame d'air et ballon, moi. Ok. Nouvelle évolution, on va faire ce Axolotl. Je fais celui-là parce que c'est une merveille. Génial. Génial. Tir debout et Lamrock. Allez, on continue notre petite séance d'évolution avec ce type océan qu'on va faire évoluer. Il nous manque un bonbon. C'est pas grave. Voilà. Problème réglé. Donc c'est type océan qu'on va faire évoluer en Hyporoid parce qu'on a le petit item qui va bien.
Hypocéan en Hyporoi. Donc c'est un nouveau Pokémon dans le Pokédex. Hein. Bon, évidemment, j'ai pas l'animation comme d'habitude. Toujours très long à venir. Hyporoi, donc 1998 PC avec Draco Souffle et Hydrocanon. Eh ben écoutez, c'est pas mal. Bon, ce serait bien qu'on ait l'image par contre. Voilà, l'Hyporoi. Magnifique. Et on va terminer cette séance d'évolution par un Granivolt qu'on va évoluer deux fois. On a 125 bonbons. C'est parti. Voilà, le Granivolt en Florivolt qu'on avait déjà. Hein, on a déjà capturé plusieurs fois dans la nature. Et voilà, et donc normalement on devrait pouvoir passer le Floravol. C'est parti. Ah, c'est pas mal ça. Double évolution déjà. C'est cool. 125 bonbons, hein, il faut en tout. Bon, j'ai usé de la baie jaune. Hein. Oh, c'est, il est superbe ce truc. Cotovol. Avec harcèlement éclat magique. Bon, malheureusement, il n'a pas beaucoup de PC ce Pokémon. C'est pas un Pokémon qui va nous servir beaucoup, je pense. Et voilà le petit Cotovol. Magnifique.